Job au chapitre 36. Élu continua et dit: Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de païens, Seigneur, qui contestent avec Dieu, Seigneur, mais permets-nous aussi, Seigneur, de prouver la justice de notre Créateur en leur présence, afin qu'ils soient amenés à la repentance et à la crainte de Dieu. Amen. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Alléluia. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Alors nous qui sommes, Seigneur mon Dieu, que poussière, Seigneur, garde-nous de rejeter qui que ce soit, Seigneur. Donne-nous d'avoir ton caractère, Seigneur, et de remarquer ta bonté et ton amour, Seigneur, toi qui ne rejettes personne. Amen. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois, gloire à Dieu. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. C'est vrai que c'est le travail de ton Esprit Saint dans les cœurs des hommes. Amen. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie, gloire à Dieu. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Merci pour toutes les fois où tu nous avertis par la souffrance, plutôt que nous laisser doucement entrer dans le séjour des morts. Ton amour, Seigneur mon Dieu, il châtie, il reprend ce que tu aimes, selon Apocalypse. Amen. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, gloire à Dieu. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Oui, Seigneur, que jamais nous ne soyons dans l'irritation entraînés à la moquerie, Père. Amen. Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir de l'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Comprendre, Seigneur, lorsque quelqu'un est soumis à la souffrance, eh bien, il est tenté de se livrer au mal, il est disposé à se livrer au mal. Alors lorsque nous sommes disposés à nous livrer au mal, par la souffrance, garde-nous d'y succomber, de nous d'être comme à Gethsémané, Seigneur, de pouvoir lutter contre le péché jusqu'au sang par ta grâce, Seigneur. De vraiment mener une guerre contre le péché et non en être amis, y succomber. Car on voit que c'est dans le cœur déjà qu'on est séduit par le péché avant de le commettre. Garde-nous d'aimer le péché plus que toi, Seigneur. Nous ne sommes pas amis du péché, Seigneur. Nous sommes ton ami, ami de Dieu. Amen. Comme Abraham. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Lui, alléluia, Seigneur mon Dieu. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres. Garde-nous d'oublier d'exalter tes œuvres. Lorsque nous voyons la nature, toute ta création, le soleil se lever, le soleil se coucher, donne-nous de toujours savoir exalter tes œuvres, même dans les choses saintes. Qui nous paraissent simples, mais qui sont déjà un prodige. Car quel homme peut faire lever et descendre le soleil chaque jour, ou même une seule journée? Amen. Que célèbrent tous les hommes? Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie, alléluia, comme dans Genèse. Les nuages la laissent couler. Et la répandre sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuit et le fracas de sa tente? Voici. Il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples, et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Amen, gloire à Dieu, alléluia.